Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le fond, je voulais faire une petite capsule par rapport au ballon de grossesse. C'est quelque chose que je me sers ultra souvent, là, en fait, à tous les jours. Surtout, tu sais, quand je faisais du télétravail, j'avais beaucoup mal dans le dos, en sciatique, j'avais énormément mal, puis ça m'a sauvé la vie, là. Le ballon, c'est pas juste pour les femmes enceintes, c'est aussi pour tout le monde, dans le fond. Ça rebalance le bassin. Fait que dans le fond, ça l'aide pour toutes les postures, puis les maux quelconques de dos ou de jambes ou d'articulations, ceux qui ont des varices, peu importe, ça l'aide vraiment. Là, mon ballon est un petit peu mou, parce que là, je passe beaucoup de temps dessus, fait qu'il serait temps que je le gonfle un peu. Mais pour la vidéo, ça va faire, là, dans le fond, c'est pas bien grave. Mais c'est surtout parce que j'ai plusieurs amies mamans qui ont eu des bébés récemment ou qui sont enceintes qui me disent qu'ils n'utilisent pas le ballon de grossesse parce que pour eux, ben, t'sais, ça ne sert pas à grand-chose. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais juste ça vous informer un petit peu par rapport à qu'est-ce que ça sert le ballon de grossesse. Puis peut-être aussi vous motiver à en acheter un pour votre prochain accouchement ou... Même pour faire les exercices de périnée post-accouchement. Fait que c'est ça, je vais juste faire une petite capsule, là, ça sera pas bien long. Je vais montrer quelques postures, puis je vais donner les bienfaits du ballon. Donc, il y a de no nombreux bienfaits à utiliser le ballon de grossesse, dans le fond, pendant la grossesse. En fait, ça tonifie les muscles périnéales et les dorsaux et les abdominaux. Fait que ça fait que dans le fond, pour le périnée, les femmes ont moins recours à l'épisiotomie lors de l'accouchement. Les femmes sont moins sujettes à faire des déchirures. Puis, on a remarqué aussi que 46% des femmes utilisaient le ballon de grossesse durant la grossesse et pendant l'accouchement. 46% seulement des femmes utilisaient un ballon de grossesse. Prenez l'épidural versus 72% pour ceux qui n'utilisent pas le ballon de grossesse. Fait que ça, c'est pour pendant la grossesse. Pendant l'accouchement, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, ça réduit les contractions, la douleur. Ça réduit aussi les chocs périnéales. Donc, en fait, quand on a des contractions, ça donne comme des petits chocs près du col de l'utérus parce que le col se dilate. Donc, ça réduit beaucoup la douleur pour le col de l'utérus. Puis, ça aide à la dilatation en faisant des petits mouvements de cercle ou en étant dans des positions favorables pour le bébé de descendre. Donc, ça, c'est vraiment utile pour ça. Puis, ceux qui prennent le ballon de grossesse pendant l'accouchement, sont plus sujettes à avoir un accouchement plus rapide, donc avec moins de complications. Pour le post-accouchement, il y a dans le fond la rééducation du périnée, effectivement, la rééducation abdominale et la rééducation des abdominaux, des dorsaux, excusez-moi. Puis, dans le fond, c'est ça. Ça l'aide aussi pour tout ce qui est les rééducations quand on accouche. Dans le fond, le bassin s'élargit pour laisser place au bébé, pour que le bébé passe. Puis après ça, des fois, on est un petit peu débalancé. C'est des douleurs qu'on ressent au niveau du nerf sciatique ou au niveau des hanches. En faisant des petits mouvements de cercle, en faisant du ballon dans les 4 à 6 semaines qu'il faut être pratiquement inactif pour se remettre de l'accouchement. C'est super important de faire du ballon. Puis, ça l'aide vraiment à ce qu'on puisse retourner à faire de l'exercice physique plus rapidement. Le ballon peut être aussi utilisé pendant la grossesse, sécuritairement, pendant la post-accouchement, pour faire des exercices et de se maintenir en forme, dans le fond, des exercices qui sont sécuritaires. Puis, c'est ça, avec le ballon. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. C'est juste les bienfaits par rapport au ballon, c'est juste quelques-uns. Tu sais, des fois, on se dit, crème, tu sais, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour mon accouchement pour que ça soit moins douloureux, plus rapide, moins déchireux, peu importe. Mais le ballon, là, ça fait tout ça. Des ballons, celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. Avant, j'en avais un plus gros qui venait de chez Canadian Tire. Je l'avais payé 20$ là, en spécial dans les trucs de l'entraînement. Fait que c'était vraiment, c'est vraiment abordable en plus. Puis c'est un outil qui va vous servir
pour très longtemps, là. Fait qu'il fournit souvent la pompe avec, puis vous allez pouvoir l'utiliser. Fait que je vais vous montrer quelques positions à faire pendant la grossesse, pendant l'accouchement, puis post-grossesse. Puis je vais aussi, à la fin, montrer quelques exercices pour se maintenir en forme durant la grossesse, dans le fond, avec le ballon. Donc le premier exercice, ça peut se faire à partir de la 15e semaine de grossesse. C'est vraiment, dans le fond, de se mettre les jambes. Les jambes, là, les genoux doivent pas être... On voit pas super bien, je vais marquer un petit peu. Dans le fond, les genoux doivent pas être plus hauts que le ballon. Là, c'est sûr, comme je vous disais, mon ballon, il est mou. Fait que j'ai peut-être un petit peu de misère. Faudrait peut-être que je le gonfle un petit peu. Mais d'habitude, vous prenez un ballon qui est assez gros. Donc, le moyen ou le gros, là, quand vous vous magasinez, vous allez voir, il y a des petits ballons, des moyens et des gros. Je vous suggère, le plus gros, le mieux c'est. Comme ça, vous n'allez pas avoir à ajuster votre position des jambes. Mais les genoux ne doivent pas être plus hauts que le ballon. Donc, le premier exercice... C'est vraiment le carré, d'avancer le bassin comme ça, puis de le reculer, de l'avancer, de donner un coup de fesse sur la droite, puis un coup de fesse sur la gauche. Donc, avance, recule, droite, gauche. Vous pouvez faire ça les répétitions 6 à 12 fois, tant que vous êtes confortable. Vous pouvez le faire jusqu'à 2 fois par jour, sans problème. Puis, dans le fond, ce que ça a fait, cet exercice-là, c'est que ça l'aide, quand le bébé est retourné, à placer la tête dans le bassin pour être bien placé pour l'accouchement. Fait que ça évite que le bébé, dans le fond, il soit mal placé. Fait que ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, ça serait d'envoyer vraiment ses fesses par en arrière, puis d'essayer de toucher le sol. Là, c'est sûr qu'avec la bédaine, là moi, j'ai 30 semaines, puis ça se fait quand même bien. Mais c'est sûr qu'éventuellement, la bédaine est tellement grosse qu'on ne peut pas toucher le sol. Là. Fait qu'on avance un petit peu, comme ça. Puis on recule, on sort les fesses. Ce que ça fait, c'est que ça étire les dorsaux. Dans le fond, ça étire aussi un peu le nerf sciatique, ce qui fait que ça va réduire les douleurs. Il y a le bienfait aussi, c'est ça, de réduire les douleurs dans le dos. Mais aussi, ça l'aide à faire de la circulation pour ne pas avoir de varices vaginales. Fait que ça l'aide vraiment pour ça. Le troisième exercice, c'est de se mettre à genoux, les jambes assez écartées. Vous allez prendre le ballon et vous allez mettre votre ventre dans le vide, comme ça. Je vais peut-être me changer de côté. On va peut-être voir mieux. Comme ça. Donc, ma bédaine est dans le vide, comme ça. Puis, vous pouvez juste rouler comme ça. Ça l'aide à étirer les abdominaux sans vraiment avoir de risque pour les blessures. Ça laisse le bébé la place de se retourner aussi quand il n'est pas retourné. Il n'y a pas de danger une fois qu'il est retourné. Là, ça fait juste de la place pour lui, pour respirer plus, puis avoir vraiment plus de place pour s'étirer. Fait que ça, c'est vraiment bon. Vous pouvez rester ici 20 à 30 secondes jusqu'à temps que vous êtes confortable, 2 fois par jour. Puis le bébé est dans le vide, puis ça l'aide. Ensuite de ça, vous allez avoir la position de l'enfant. Donc la position de l'enfant, encore là on ne voit pas super bien, j'ai pas tellement de place ici. Il faudrait une salle d'entraînement. Donc la position de l'enfant, c'est on s'assit sur ses chevilles. On laisse la bédaine le plus sortie possible. On appuie ses bras autour, comme si on faisait un câlin au ballon, mais on pousse le plus loin possible en accotant sa tête sur le ballon, en laissant la tête dans la bédaine dans le vide. Ça aussi, ça a pour effet de laisser la place au bébé. On fait des petits mouvements comme ça. Vous pouvez rester là de 20 à 30 secondes. Quand vous êtes près de l'accouchement, faut tout le temps parler à son médecin par rapport à ça. Mais il y a certaines femmes qui se rendent compte que leur bébé est retourné, mais le col ne dilate pas, il ne s'amincit pas. Le bébé a de la difficulté à descendre, alors là, on peut sauter un petit peu comme ça.
pouvez vous asseoir, écouter la télévision, il n'y a pas de problème le faire, ça berce le bébé. Fait que vous pouvez sauter comme ça. On le fera pas trop parce qu'on veut pas qu'il sorte à 30 semaines. Fait que ça, c'est pas conseillé avant d'être à terme. Donc, à partir de 37 semaines, vous êtes OK pour le faire. Si vous avez l'accord de votre médecin, vous pouvez commencer à 36 semaines. C'est sûr, surtout si vous n'êtes pas dilaté et effacé, là, c'est important de le faire, mais parlez à votre médecin. Donc, ça, c'est pour les exercices qui sont durant la grossesse. Ensuite, il y a les exercices pendant l'accouchement. Donc, les exercices pendant l'accouchement, là, ça ressemble vraiment, là, je ne ferai pas tout montrer, mais en gros, là, c'est de faire des cercles avec, avec le bassin comme ça. Ce que ça fait, c'est que ça place bien le bébé. Plus les jambes sont écartées, plus ça l'aide à dilater le col. Puis, en tournant comme ça aussi, ça réduit la douleur aux contractions. Si vous êtes capable de vous concentrer soit sur le bruit du ballon, soit avoir des écouteurs avec une méditation, ça l'aide vraiment aussi à se concentrer sur autre chose que les contractions durant le travail. La plupart des hôpitaux en ont un, sinon vous pouvez toujours emmener le vôtre, là, mais toujours le demander, là, c'est vraiment important. En plus, si vous prenez pas l'épidurale tout de suite, si vous arrivez à l'hôpital, vous êtes dilaté à 1, je pense qu'ils donnent pas l'épidurale avant 5, je suis pas sûre, là. 5 ou 3, je suis plus sûre. Mais c'est vraiment important d'avoir le ballon comme pour se rappeler d'autres choses, puis se rappeler qu'on va survivre. L'accouchement, c'est une étape qui est difficile, mais c'est une journée. C'est une journée, puis on se concentre sur le fait qu'on va avoir notre bébé dans les bras sous peu. Ensuite de ça, il y a aussi la position kappa, celle que je vous montrais tantôt, là, je vais la faire vite, comme ça, qui laisse la place au bébé. Puis la position de l'enfant, comme ça, qui laisse la place au bébé pour descendre plus, puis avoir plus de place pour la descente afin de favoriser la poussée. Ensuite de ça, les exercices post-accouchement, dans le fond, je pourrais vous les montrer. Mais il y a la rééducation périnéale, donc ça, vous pouvez sauter encore une fois un petit peu sur le ballon, pas beaucoup. Ça, vous pouvez le faire une à deux fois par jour, entre 12 et 15 répétitions post-accouchement, pour être sûr de ne pas avoir, surtout si vous avez des points ou si vous avez eu une épisiotomie, c'est vraiment important d'en parler à votre médecin avant. Ce que ça l'aide sauter sur le ballon après l'accouchement, ça l'aide à les descentes de vessie, donc vous allez avoir moins de difficultés à retenir votre pipi parce qu'on a un petit peu de difficulté après avoir eu un bébé à ne pas faire pipi. Fait que ça l'aide vraiment pour ça. Les cercles, les carrés, tout ce que j'ai montré pendant la grossesse, ça se fait. Puis pour la rééducation des abdominaux, là je vais le faire. Dans le fond, c'est important de tout le temps se glisser sur le côté comme ça avec la main. Et non de descendre comme ça, parce que ça force les abdominaux. Puis là, on a eu un gros travail, hein, les abdominaux s'étaient séparés. Fait que si on se couche tout le temps sur le dos comme ça, sans glisser notre main, on risque d'avoir les abdominaux qui vont... ça a un nom, là, j'ai perdu le nom, là, mais en gros, c'est comme si les abdominaux ne se recolleront pas, ça pourrait comme lâcher l'élasticité. Fait qu'après ça, vous allez tout le temps avoir un petit espace entre les abdominaux. Fait que c'est important de glisser le bras, comme ça, puis de se coucher sur le dos et de se rouler. Ça, c'est conseillé à faire pendant la grossesse, mais pas pendant l'accouchement, parce que la position couchée, c'est la pire position pour l'accouchement. Je sais que les médecins, ils font ça, là, mais c'est vraiment pas recommandé, parce que, dans le fond, ça va pas en sens de la gravité. La gravité, ça va par en bas. Pour la rééducation, ça c'est pour les dorsaux et les abdominaux. Fait que pour les abdominaux, vous pouvez prendre le ballon, le serrer contre vos fesses, monter comme ça et redescendre. Vertèbre par vertèbre jusqu'au plancher. On recommence et on fait ça. Jusqu'à temps qu'on soit à l'aise. Ça peut être 5 à 10 répétitions pour commencer, là, pour être sûr. Puis une fois par jour, c'est assez. C'est aussi pour les dorsaux, parce que quand que vous mettez vertèbre après vertèbre, ça replace le bassin, donc ça l'aide vraiment après l'accouchement. Puis quand on soulève là, comme ça, c'est important de retenir le périnée. Donc c'est comme retenir le périnée, c'est comme si vous rentiez votre ventre, c'est comme si vous reteniez un envie de pipi.
C'est important de pas faire l'exercice quand vous allez aux toilettes. Des fois, on se dit, on va aux toilettes, on va retenir notre pipi, puis relâcher le pipi. Retenir le pipi, là, c'est vraiment pas bon de faire ça. C'est pas bon pour la vessie. Je vous conseille vraiment plus de faire les exercices avec le ballon. Comme ça, c'est sûr que quand vous retenez le périnée, c'est important de le faire 5 à 10 fois par jour, dans les 4 à 6 semaines. Des fois, quand vous allaitez, vous mettez bébé au sein, bon, c'est juste de se concentrer, de raffermer son périnée, de faire... On le retient comme une petite fleur. C'est important parce que, dans le fond, c'est ça qui fait qu'on n'aura pas de fuite urinaire après. Fait que ça, c'est pas mal ça qui est ça pour le ballon. Fait que ça l'aide vraiment, comme je vous disais, là, tous les bienfaits que j'ai nommés. Ça en est juste quelques-uns, mais souvent, les gens, ils sous-estiment l'utilité du ballon. Ils disent « Ah, ben moi, tu sais, j'en avais pas besoin du ballon, mais la personne, elle a eu, mettons, 5, 6, 7 points de suture. » Ça aurait pu être évité avec juste l'achat d'un ballon. Fait que, tu sais, c'est juste pour conscientiser les gens, puis l'importance de faire des exercices. Ça prend... tu sais, des fois, on écoute la télé ou on est en congé de maternité dans le dernier mois, à partir de 36 semaines. Sinon, on est en retrait, c'est important de le faire, de trouver le temps de le faire. Puis pour celles qui s'entraînent, dans le fond, moi, je fais un échauffement. Fait que je vais le faire avec vous, mon échauffement, pour vous montrer à peu près ce qui est sécuritaire. Moi, je prends un échauffement que j'ai vu sur YouTube qui m'a convenu. Fait que si vous êtes habitué de vous entraîner, tu sais, ça se peut que pour vous, ça soit vraiment pas assez. Fait que je vais juste vous montrer à peu près mon échauffement avant de m'entraîner, qu'est-ce que ça a l'air. Sometimes it be like that, but I'm not myself. The night you're gone, there ain't no way I'm moving on. I'm not afraid to need you back. Sometimes it be like that. I caught the seas with you, but wasn't even supposed to be with you. I'm just one of those guys you didn't know. I can't help when you read it wrong. Don't know why I trip on us. You put me down, I'll pick you up. Can't tell you why I took you up. Got me thinking I might be better on my own. I hate you blowing up my phone. I wish I never met your ex. Un peu, commencez, faites le réchauffement. Si c'est assez pour vous, ça stop. Vous faites ça 2-3 fois par semaine. Vous parlez-en à votre médecin obligatoirement, s'il vous plaît. Faites pas ça, tu sais, out of nowhere, là, que vous voulez vous mettre en shape. C'est pas le temps, vous êtes enceinte. C'est important de se garder actif, mais être en shape, là, on passera à ça 6-7 mois après la grossesse. Parce que c'est important. C'est vraiment important de faire attention au bébé.
de pas faire des exercices de ce, qui sont pas sécuritaires, puis de se faire mal, c'est vraiment important. Fait que c'est ça qui conclut la vidéo sur le ballon de grossesse. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire. Si jamais vous voulez aller voir un accouchement naturel, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps. J'en fais pas tellement souvent, là. Mais si jamais vous avez des demandes, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page Instagram, P-A-T-T-H-E-C-H-A, Patte de chat. Je suis marraine d'allaitement, je fais des routines de couche lavable, je suis pratiquante du cododo. Écrivez-moi si jamais vous avez besoin de... Peu importe, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis on se revoit pour une prochaine capsule. OK, bye bye!